suis issu d'une famille qui fait du vin depuis plusieurs générations. À un moment donné, on s'aperçoit qu'on peut arriver à travailler avec des choses naturelles qui sont situées proches de l'endroit où on vit. On s'aperçoit qu'il va y avoir tout un tas de plantes que j'appelle des plantes revitalisantes du sol, comme l'ortie, la bardane, la consoude, la prêle, et que d'un seul coup, on peut atteindre une autonomie sans acheter à l'extérieur. L'ortie est essentiellement une plante riche en azote, donc j'utilise l'ortie à la fois pour alimenter, nourrir la vigne au début de sa croissance. Voilà, ça va favoriser le développement des feuilles. Alors ça, c'est quand on l'utilise en extrait fermenté. Ensuite, l'ortie, c'est un éliciteur. C'est-à-dire que ça va mettre la vigne en état de veille. Ça va la mettre en garde. Une future attaque de maladies cryptogamiques comme le mildiou, ça va la mettre en garde d'un éventuel prédateur. Après, on peut utiliser aussi l'ortie en faisant sécher les feuilles, en tisane. Et là, dans ce cas-là, on va avoir plus un apport de minéraux. Voilà. Les plantes, ce qui est agréable, c'est que quand on traite avec des plantes, on est en t-shirt, il n'y a pas besoin de masque. Ça, c'est très agréable. Il faut un certain temps pour être vraiment en harmonie avec le végétal et la vie qu'il y a autour. Au final, la majeure partie du travail, c'est de rapporter à la cave un raisin qui a une qualité intrinsèque optimale. Le fait de ramener ce raisin, on ramène aussi le fait qu'un raisin soit exempt de différents produits, notamment chimiques ou de synthèse, on arrive à préserver et à ramener des levures typiques du terroir. Et il y en a aussi bien sûr dans le chai, dans les caves, etc. Dans la cave, on se doit de respecter le maximum de paramètres pour que la transformation de la matière reste la plus authentique et la plus pure possible. Pour moi, plus la matière se dégrade lentement, moins on altère les parfums et les arômes. Plus on préserve l'identité de la matière qu'on a ramenée. En fait, les levures vont manger le sucre pour le dégrader en alcool et les bactéries vont dégrader les acides. Et ces levures-là, c'est un petit peu comme l'être humain. Il faut qu'elles soient dans des conditions de vie agréables pour faire un bon travail. Toutes les fermentations dégagent du gaz carbonique. Le gaz carbonique étant plus lourd que l'oxygène, c'est un conservateur naturel. Et finalement, pourquoi on a été obligé de rajouter des sulfites dans le vin? C'est parce qu'on a accéléré tous les processus naturels pour faire le vin de plus en plus rapidement. Je dis toujours, ce n'est pas pour rien si nos aïeux ont un jour inventé la carafe. Autrefois, ils prenaient le temps de carafer les vins parce que leurs vins, ils avaient tous du gaz. Et il faut savoir que mes vins, ils ont tous du gaz, mais ils n'ont pas. Ce sont des vins qui sont mis en bouteille stables. Ce n'est pas de la refermentation, sauf si c'est un pétillant naturel. Et donc, le fait de carafer le vin permet un dégazage naturel. Et je préfère que ce soit le consommateur qui fasse l'opération de dégazage plutôt que moi dans la cave et de rajouter des sulfites. Mais après, je conçois que d'autres vignerons ou viticulteurs fassent des choix différents. À chaque producteur, il y a un consommateur en face. Si on veut que le jus s'exprime de manière délicate, avec beaucoup de finesse, etc., il faut vraiment le ramener à une température. Enfin, il faut lui faire un sas, quoi. Souvent, moi, je préconise une bouteille qui est restée longtemps dans une cave. Qu'il fasse chaud ou froid, c'est bien de la mettre 24 heures, voire plus, dans un sas où elle va pouvoir se remettre à la température. Et après, on décide de le rafraîchir un petit peu ou de le chambrer un petit peu. Voilà. Et alors tout ça, c'est un peu subjectif entre guillemets, parce que après, dans la façon de déguster les vins, il y a aussi les appréciations individuelles de chacun, les parcours sensitifs de chacun, les registres sensoriels, etc.